quatrième épisode de notre feuilleton « Ne sois pas le dernier à donner au denier ». Je lis encore dans la lettre aux Philippiens. « Oui, je te le demande à toi aussi, mon vrai compagnon d'effort. Viens leur en aide, à elles qui ont lutté avec moi pour l'annonce de l'Évangile. » Mais qui sont-elles ces femmes dont parle saint Paul dans son épître aux Philippines ? Les religieuses, bien sûr. De tout temps, des femmes ont pris leur part dans l'annonce de l'Évangile. En particulier, les bonnes sœurs. Sainte Claire, Sainte Thérèse, Sainte Marie Euphrasie Pelletier, Rosier, Anne Jalot, Marie Moreau, Anne de la Giroardière, Mère Joséphine, Mère Sainte Victoire, Jeanne de la Mue. Quel roule en Deutsch ou en Twingo, à mobilette ou à vélo, qu'on les rencontre dans leur parloir ou qu'on les croise sur le boulevard, qu'elles servent Dieu là en Anjou, aux Philippines ou au Pérou, pour venir te soigner ou pour te consoler, t'éduquer ou t'évangéliser, elles ont la foi, l'espérance et la charité. Dans notre diocèse, elles sont 7 religieuses en mission pastorale. Sœur Marie-Hélène, Sœur Ange, Sœur Anne V, Sœur Madeleine, Sœur Félicita, Sœur Lydia, Sœur Pauline et Sœur Francine. Notre paroisse, par solidarité diocésaine, participe à leur prise en charge. Le diocèse verse 18 000 euros par an à chacune de leurs congrégations. Nous sommes très heureux de leur présence à nos côtés. Un grand merci pour votre générosité. Ne sois pas le dernier à donner au denier.